Je sais pas si ça marche. On va voir. Ah. Ça marche peut-être. Vous allez entendre ma voix en double. Ça marche peut-être. Alors attends. Ah, ça c'est mon chat. Voilà, on va. Tac. Là, pareil, on va m'entendre aussi en double. Moi je m'en fous. Ah, ça c'est mon chat. Copier. Alors, hop là, je la partage vite fait sur. Là, pareil, on va m'entendre Facebook. Aussi en double. Moi, je pense qu'il n'y aura personne, mais. Ah, ça c'est mon chat. Copier. Écoute, ça me fait plaisir. Alors, hop là, je la partage Tac. Vite fait. Et regardez, on m'entend plein de fois, c'est trop bien. Pareil, on va m'entendre Facebook. Moi, je pense qu'il n'y aura personne, mais. Écoute, ça me fait plaisir. Alors, hop là, je la partage. Voilà, tu te tais. C'est parti. Eh bien, c'est parti pour Silent Hill 3. On avait joué il y a extrêmement longtemps. C'est peut-être un peu fort, sa race. Alors, pour vous, enfin, là, c'est pas du tout, enfin, moi, c'est vraiment, genre, le moche de ouf. Enfin, c'est moche, c'est sombre, je crois qu'on a inventé quoi. Oh, ça a l'air fort de ouf. Alt-tab. Voilà. Alors. Bon, je sais plus du tout ce que je dois faire. Mais bon, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé. Alors, on est dans un hôpital dégueulasse. C'est pas trop fort chez vous? La trace de sang continue dans l'ascenseur. Je vais jeter un coup d'œil, mais ça fout un peu la trouille. Oui, et alors? Oui, d'accord, mais je suis. En fait, j'ai testé un peu tous les étages et genre, il n'y a pas d'endroit où aller, c'est très chiant. Que de vieux trucs, je ne vois rien d'important. Alors, par contre, il y a ce truc là. Il y a un espace louche entre l'étagère et le mur, mais je ne peux pas glisser, pas mal non plus de déplacer l'étagère. Oui. Alors, est-ce que j'ai un objet? Ouf, au secours. Un objet, c'est mûr. Alors, à mon avis, non. Le gilet pare-balles, il est déjà sur moi. Bah, c'était ça qu'il fallait faire. Alors, c'est peut-être un peu shiny chez vous, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis un genre de. Oh là, c'est hyper shiny quand même, c'est un peu chaudard. C'est parce que j'ai mis un filtre en fait. 1572. Enfin, un filtre, un genre de truc qui fait que l'image est plus belle. Voilà. C'est quand même sur un vieux jeu. Hein. Donc 1572, ça doit être. Il y a peut-être un stationnaire. Ça va être le code d'une porte de Seymour. De quoi ça? Oh là, ne fais jamais ça en fait. Mais non, fais pas demi-tour, grosse bouffonne. Voilà. Du coup, c'est le 2F. Où ça? Je vois rien. Allez, meurs. Badé mes grands morts. Là, je vois rien. Mais non, faut que j'aille au 3F.
On est au 3F, donc faut que je remonte. J'ai plus de balles du tout. Ah oui, ça je l'avais fait la dernière fois, c'était chiant. Allez! J'arrête pas de me goer de bouton, parce que j'ai du tout reconfiguré. Voilà, on va prendre le fucking katana, let's see. C'est quoi ce bruit hein? Ce jeu est fort en plus dans mes oreilles, donc... C'est pas par là qu'il faut que j'aille, super. Je vais sauvegarder. Ok, alors donc du coup je vais sauvegarder. Ça va être là, je pense. Oui. Voilà. Bougez pas. Ok, très bien. Ok. Ouais, faut que j'aille par là. Est-ce qu'on pourrait tourner cette caméra? Merci beaucoup. Ouais, d'accord. Alors ça ferait 1, 5, 7, 2. C'est déverrouillé, super. Je sais plus ce que je dois faire. Hein. C'est un magazine, un genre de canard à ragot. La maison de l'espoir enseignait l'espoir. Suite à ce que je fais un drone qui kidnappe et torture mentalement les enfants. Ah oui, super. La clé. Mais quelle clé? Prends la clé. Salut mon petit Torsk. J'entends des prières étranges et des pleurs d'enfants. Je suis même plein d'une fois. Bon, ouais, on est dans le... Il y a une religion. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, Oscur. Maison d'espoir, la maison de connaître ce nom. Oui. Un mouchoir et un réveil. Un réveil cassé, c'est rien de spécial. Alors, le truc dont tu parles, là, la sorte de secte qui torture des enfants mentalement. Putain, tu passes à la télé, mon gars, Michel Drucker. Hein. Michel Drucker est jaloux. Car Michel Drucker aimerait bien être à ta place. Je sais pas, tu m'as dit la télé, je me suis dit Michel Drucker. Ah, oh, du beef jerky, c'est du beef jerky, let's see. Attends, le verrou est cassé. Oh non, pas lui. Alors ouais, il y avait un genre de creep. Il y avait un genre de creep. Plus peu déchiré, c'est pas beau voir. Je me demande qui a fait ça. Oui, le cahier, connasse. Bah oui, Michel Drucker, hein, qu'est-ce que je fais ? Mais tu veux pas lire le cahier, en fait ? Ah oui, d'accord, fallait que j'allume la lumière. Au secours. Au revoir, Heather. Heather, c'est moi. Hein. Pardon de n'avoir... su répondre à ton amour, tout est fini, Léonard me... Eh, en fait, j'ai dans l'hôpital où je suis dans Silent Hill, et si je me souviens bien, parce que le dernier live c'était il y a 2 ans quand même, il y a un mec qui pensait me connaître, parce que apparemment je viens de cette ville-là, et il a mis des genres de poèmes dégueulasses partout. Et c'est un genre de creep, là, tu sais. Sans ces embrouilles, j'aurais pu te rencontrer bientôt et j'aurais pu t'emmener dans mon monde, un monde pour nous. Ma copine qui rentre chez moi, du coup ça m'a fait peur. Yes, bienvenue hein. Tu es devant la France entière, c'est-à-dire 2 personnes. Adieu, je t'ai aimé, Azor ma déesse, Azor ma chérie, d'accord. Bon, en bref, c'est William. Bisous, c'est joli. T'inquiète, ma mène. Tu peux rester avec moi, tu sais, tu voilà, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux.
Tu es là, et puis peut-être m'entendras-tu flipper, tel un gros porc. Non, 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 mais... Meurs, meurs, meurs. Il y en a au moins une deuxième, normalement. Ok, elle est derrière moi. Elle est où, elle est où, elle est où? Ah la vache, elle a un flingue, ça. Putain, il y en a deux. Bah là, le flip, il est là, mon gars. Je ne suis que très peu rassuré. Putain, cette musique, mon dieu. Ça va, ça va. Elles sont mortes, les mecs, hein. Au secours. Quoi, j'ai plus de vie? Si, ça va. Je vais prendre du pitcher qui là-dessus. Mais quoi? Mais elle est con. Ah, je peux. Je pensais que c'était un truc pour le. Non, c'est pas ça que je. Pardon. Alors. Balle de mitraillette, super. Tac. Charger. Alors, vais-je prendre le gun de ses morts? Ouais, le gun, c'est cool. Non, c'est bon. Cinématique. Poussin. Ça va? Il y a William qui est pas loin. C'est Silent Hill 3. On a décollé du coup? Hello? Ouais. Claudia. C'est pour moi peut-être? Non, sûrement. I'm not. C'est mes trucs des États-Unis. Always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Ouais. Or maybe you still ouais. Don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Y'a William qui te fait des bisous. Dream. Wait, just listen to me for a second. Bonjour. I've heard enough from you already. Est-ce que t'entends ma voix en double? Normalement, ouais. Ouais. Oula. Oui. Listen to me already. D'accord, y'a un mec qui me parle. Not Claudia. Oui. You're not Claudia. Non. My name is Heather. Je m'appelle Heather. Ah. Who are you? On ne sait pas. Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Non. Étrange. Et parce que je me suis acheté des t-shirts. Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm. I can feel the hatred. What? Behind your words. Tu vois l'autre, du coup? Celui qui n'est pas item hydro. You plan to kill her, don't you? I'm sorry. Là, c'est quoi? But. C'était Jürgens, cool, she... j'aime bien c'était Jürgens. C'est juste qu'il était au pif. T'as. She killed my father. Chouette. She's a fool. Yeah. But she's still my daughter. Ouais, il en reste un. Hein, bah mange-le, mange-le. Putain, j'ai pas du tout suivi cette fucking cinématique. Heather, will you help me? Non. Help you? I'm locked up in here. Oh. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall. Il fait bader avec ses vieux yeux de Seymour. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. Bon, il y a un genre de culte. A seal? Et voilà. Et le mec, il est chelou. Il s'appelle Leonard Wolf. Oui, bah, est-ce que tu pourrais accrocher? End of the hall on the second floor.
pourquoi je peux. Voilà, là il me fait des petits trucs parce que des fois il me les fait pas, petit bâtard. Je n'aime pas vraiment cette musique. Parce que c'est fucking Silent Hill, donc y'a rien qui s'ouvre. Ok, on va aller voir la day room, on va aller voir la rest room. Fermé, donc du coup. Là j'y suis allé. Oui, bah faut que j'aille. Ouais, d'accord. Ok. Je crois qu'il allait y avoir des saloperies, en fait, ça va. Et on sauvegarde. Je pense pas streamer très longtemps. Je pense que je vais streamer même pour une heure. Parce qu'il y a une personne, donc tu vois. Gros live. Grosse fanbase. Moi j'ai fait un live sauvage, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils reçoivent une notif. Hein. Les ceux qui me suivent. C'est parce que je vois rien du tout, c'est super. Donc deuxième étage, il m'a dit Jackson. Ok. Mais arrêtez avec ce bruit là. Au bout du couloir, il y a dit. En fait, j'ai pas du tout suivi ce qu'il a dit le mec. Donc c'est vrai que c'était pas très intelligent de ma part. Ah, des gueux. En fait, j'ai envie de mater la solution sur internet, puis je me dis que c'est quand même un peu con, quoi. April. Tu peux pas m'accuser de pas l'avoir nourri parce que. Si tu l'as pas nourri, elle a plus rien à manger. Tu l'as affamée. Putain. Pendant une heure, elle a pas mangé et c'est la famille. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce de Seymour? Qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là, hein. Ah oui d'accord, ah oui d'accord, elle a mis une croix. Oh elle est sympa, elle est sympa. Ah mais oui, first floor. Je suis con. Faut que je descende encore un étage, yes.
Il se barre là. D'accord. Ouais. Alors par contre, j'y suis. D'accord. Ouais. Je peux entrer dans aucune pièce en fait. Il est con. Le mec veut. Alors ça se trouve il y a un objet de Seymour qu'il faut que j'utilise. Objet. Objet de quoi utiliser? Non. Mais c'est pas ça. Même ça je l'ai vu ça. Oh. Pardon. De la stéréo, c'est magnifique. Oui, ça je suis au courant, mais on s'en fout. Magazine d'occulte, de Stanley, magasin All Est. Ça, on s'en fout. Mais il m'a dit quoi? Oh. Bon. Moi, dans ces cas-là, je vais voir la soluce sur internet. Parce que je suis qu'un enculé. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Alors, soluce. Ouais, non, j'ai aucune honte à le faire, je m'en fous. Allez, ça est gentil. 3. Hop là. Oui. Hôpital de Brookhaven. Oui, ça on s'en fout. L'appareil photo instantané, je crois. Allez, boum 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 boum. La 16-12 répond au téléphone, descend au deuxième étage, prend la double porte et allez tout au bout du couloir pour trouver une porte. Vous vous retrouvez dans un gigantesque labyrinthe. Hein? Attends, dans la salle S12, voilà. Suivez donc les conseils de ce dernier. Descendez au deuxième étage, prenez la double porte et tout au bout du couloir pour trouver une porte. Hein? Sparkly, Sparkly. Donc je suis au deuxième étage là. Je suis au premier. Ah. Ah d'accord. Bah non. Ah d'accord. Oui bon bah ok. Hein. Hey. Open up your eyes anyway. You know that I would be untrue. Vas-y bébé, allume mon feu. Donc c'est pas là. C'est l'autre couloir. Allez. J'ai peur. Je ne suis pas très à l'aise. Au secours. Ah, le labyrinthe de ses morts, quoi. Thank you.
D'accord. Bon, je vais juste suivre où il me dit d'aller. C'est un peu badant cette histoire. J'en vais à un vieux monstre. Je repasse vite te faire un coucou sur le... Ça marche. Bonne nuit, mon petit. Boubou. Hein? Non. Comment? Non, merci, c'est gentil. Certain. Cette image, celle-ci ne me donne pas mal à la tête quand je la regarde, je connais celle-ci. Cette horrible chambre d'hôpital, c'est vrai qu'elle est devenue un peu bizarre. Hein? Attends, est-ce que j'ai un silencieux sur mon arme? Ah, j'ai un silencieux, trop bien. Ok, ça m'a saoulé. Alors, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures.